AB sin C sur 2. AB sin C sur 2. AB sin C sur 2. Bon. Soyons un peu sérieux. Si on y arrive. On se donne un triangle. ABC. On va dire que AC mesure petit b. On trace la hauteur correspondante, PH. Et les côtés respectifs, petit a, petit c. Calculer l'aire de ce triangle. Tout le monde sait que l'aire de ce triangle est B fois la hauteur BH sur 2. Bien, mais on peut faire introduire la trigonométrie et penser à l'angle C. Sinus de l'angle C est égal, mettre chapeau ou pas, sinus de l'angle C est égal côté opposé, BH, sur hypoténuse, petit a, dans ce triangle rectangle. Donc, BH est égal à sa face A, A sin C. Et BH peut être remplacé dans cette égalité. Donc, l'air est égal à sin C fois B sur 2. Ou autrement dit, A, B, sin C sur 2. Ce que je vous disais en titre. A, B, sin C sur 2. A, B, sin C sur 2. A, B, sin C sur 2. On vient de découvrir une autre formule de l'aire d'un triangle en utilisant la fonction sinus. AB sin C sur 2. AB sin C sur 2. AB sin C sur 2.